Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport Dom Gaye Ndiaye. Warul tit warul ragan kan bi ñaan actuellement les Lions sont sur le marché des transferts. Amna Lions yo xamné actuellement ñu ngi changer de club comme Papi Dila Bodji qui a quitté Guingamp après la fin de son contrat pour rejoindre la Turquie à Gaziantep. Donc Gaziantep le rejoint donc le club de Moussa Sow. Donc Moussa Sow da fa le jouer Gaziantep. Donc Papi Dila Bodji, l'ancien joueur de Saloum, donc de Nantes, Dijon, de Chelsea, de Sunderland et de Werder Bremen, à 30 ans, Dila Bodji vient de s'engager pour les 3 prochaines années. Donc 3 ans le signer, Fletcher, Gaziantep, donc fraîchement promu en Premier League ou bien en Super League turque. Donc d'un joueur, première division turque. Donc il augmente la colonie sénégalaise de Turquie. Donc le milieu offensif de Nîmes, Sadio Diouf, s'est engagé ce mardi donc avec Angers où il a signé un contrat de 4 ans. Donc Sadio Diouf quitte Nîmes, Dem Fletcher, Angers pour signer avec les Angevins 4 ans. Donc Sadio Diouf, donc qui est un vol aussi de la Ligue 1 français, donc l'international sénégalais finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Donc qui dit Idrissa Ganagay aussi, Dem Fletcher Paris Saint-Germain, ça ne devrait plus tarder parce que Everton, donc ils ont fait une offre de 33 millions d'euros pour Idrissa Ganagay. Actuellement Paris dañuy xaar donc wa Everton xaw wañ sen loxo wala Everton xaar Paris yok loxom ba 40 millions d'euros comme ça ñu bayyi Idrissa Ganagay. Donc Ganagay c'est quasiment certain il va donc prolonger, il va continuer son aventure en France avec le Paris Saint-Germain. Donc Paul Cissé qui a été courtisé par Arsenal, donc Paul Cissé donc l'international sénégalais de Pikine de ko momo fay Ibrahima Serar Sen Sama Ndiaye ma ngi bëgg bu wax wa Pikine yëpp. Donc le joueur pikinois va probablement quitter l'Olympiakos de Pirée. Fan la nana dem Arsenal wala Wolverhampton justement les loups ont posé sur la table 20 millions d'euros. Donc def nañ une seconde offre de 20 millions d'euros pour jendre pas aussi parce que gis nañ ni wa Wolverhampton ils sont plus que jamais désirés parce que Wolverhampton ren def nañ saison bu baax. Ils ont été l'un des meilleurs, donc l'une des meilleures équipes de la Premier League et l'un des meilleurs clubs à avoir accédé à l'élite. Donc meilleur promu de l'année 2018-2019 c'est Wolverhampton. Donc pas aussi a disputé 29 matchs avec les Grecs d'Olympiakos. Donc joué 29 matchs saison passée et il a fait donc de très belles prestations aussi bien avec les Lions donc durant ces deux sélections mais aussi avec Olympiakos. Donc Paul Cissé donc va quitter probablement donc Olympiakos de Pirée pour rejoindre donc l'Angleterre soit Arsenal soit Wolverhampton. Mais Wolverhampton ñoo gëna passif ci dossier Paul Cissé. Donc gis nañu aussi d'après donc les informations le Stade Reims donc voudrait donc vendre qui dit Edouard Mendy et en partance pour le Stade Rennais. Mais là moi bloqué dossier c'est Thomas Koubek parce que dañ doon wax moy dem Fletcher. Donc Koubek dañ waxone moy dem Fletcher donc Porto pour remplacer Iker Casillas. Mais gis nañ né dossier bobu c'est un peu au ralenti parce que wa Porto sort une trop sur la piste Thomas Koubek motax Rennes pour jeune Edouard Mendy pour la valeur de 10 millions d'euros. Il faut que qui dit Thomas Koubek dem moy lolou lañ wax bato dem bato costé. Donc bato bi demagul motax Edouard Mendy mënagul costé Fletcher Stade Rennais. Mais en tout cas une chose est sûre, donc ça sera un dossier à suivre et probablement Edouard Mendy dina quitter aussi le Stade Reims dem Fletcher donc Stade Rennais parce que mom amna remplacement opéré. Donc en l'occurrence Petr Raskovic et en plus donc du renfort de Djali Kovalin Ndiaye. Donc Edouard Mendy dina quitter Rennes dem Fletcher Stade Rennais. En tout cas il reste plus que des détails pour concrétiser ce transfert. Dom Gaye Ndiaye warul tit warul ragal.